Votre livre, mais alors dites-moi, c'est truffé de fautes d'orthographe. Mais partout, bourré de fautes d'orthographe. Vous écrivez même avec un accent circonflexe. Attendez, vous, non mais ne plaisantez pas, Eric Orsena, parce que chez vous aussi, page 54 chez Orsena. Orsena écrit oignon avec un i. O-I, j'ai... Mais non, il n'y a plus de i maintenant pour oignon. Depuis que l'Académie française, paraît-il, a dit... on n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je continuerai à écrire avec des accents circonflexes et oignon, et oignon avec i. D'ailleurs, beaucoup de gens dans certaines régions prononcent oignon. Voilà. Donc, au moins en pensant à eux, je n'enlèverai jamais le i. On sera des résistants du circonflexe. Voilà.